L'organisation de cette journée, c'est pour montrer aux gens que nous aussi, nous avons le pouvoir d'organiser la journée des femmes, parce que nous sommes femmes comme toutes les femmes du Sénégal. Mais ensuite, c'est pour montrer à la population de Jigensor que les femmes handicapées ne sont pas restées à rade. C'est des femmes travailleuses qui font beaucoup de choses pour le développement de la région de Jigensor. Ce que nous faisons ici comme femmes handicapées, en tout cas, nous travaillons dans tous les secteurs. Nous faisons des sensibilisations sur l'éducation inclusive des enfants qui ne sont pas à l'école, c'est les enfants handicapés. Et nous faisons des sensibilisations sur les maladies handicapantes. Nous faisons des sensibilisations sur le VIH-Sida pour prévenir la transmission du VIH-Sida. Mais aussi, nous travaillons dans les secteurs, dans tous les secteurs presque, dans la cosmétique, nous faisons beaucoup de produits cosmétiques, y compris des huiles, des crèmes de massage, des crèmes pour le corps, des savons, en tout cas tout ce qui est naturel, nous le faisons. Oui, des fois nous rencontrons des difficultés. La première difficulté, c'est la mobilité, problème de déplacement surtout. C'est notre c'est notre énorme difficulté parce que nous nous déplaçons vraiment très difficilement. Et ensuite, l'accessibilité. On a un problème d'accessibilité parce que nous savons tous que les infrastructures ne sont pas accessibles aux personnes handicapées. Les institutions publiques comme privées, vraiment.